et une place en demi-finale. Allez, 413, les garçons, les pupilles, Laetitia, Chaudin, Lucas, le Rainer de Saint-Etienne a-t-il pris l'avantage avec sa plaque numéro 23? Le finaliste mondial est en première position, Putzel Jamie, le Rainer de Genève aux couleurs Kuhnmann, vient de rentrer lui à la deuxième position, c'est Yves Tepia, Léo, et c'est l'Aubervilliers 93 qui va aborder la mi-parcours à la troisième position pour le passage des quarts de finale. Et enfin, Lorient Arnaud, le club de mes yeux, actuellement quatrième, l'attaque a été lancée avec Gérard Bastien de Voisin le Breton. Et Gérard Bastien relance le sprint et c'est la photo finish qui va en décider entre Lorient et Gérard Bastien. Allez, un nouveau quart de finale est actuellement en piste. Ça sort fort avec Igou Quentin, le pilote de Moggio, Moggio Melgorien. Et c'est la mère, Melgorien Moggio qui est actuellement le leader de ce quart de finale. Rejol Mathias sous Omnisport vient d'aborder lui la deuxième ligne droite à la deuxième position sur les arrières. Il s'organise avec Kikoto, Dan Bastien, le rider de Beaune à la plaque numéro 87 revient très fort pour essayer de se qualifier. Actuellement, il est en troisième position. Et enfin, dans le dernier virage, on va retenir d'Anjou Lubin, le pilote de Kémer, prendra lui la quatrième place et une qualification en demi-finale. Allez, nouveau start, là aussi, la 415 vient de sortir de cette vue de départ. Devaux Hubert de Carquefou, et c'est la Gorgue, avec Devaux Victor qui vient de se détacher. Oh, il y a un pilote d'histoire, il me semble, et c'est Calmes Maël, le rider de l'US Histoire, qui vient de s'emparer dans la deuxième ligne droite de la deuxième position. Vers Damien Carquefou a été rétrogradé, donc à la troisième place, mais le trio de tête vient d'être formé. Devaux, Bert, Calmes, le rider d'histoire. Voilà pour les trois premières positions. Le dernier nom, plaque 77, André Brisson. André Brisson dans le dernier virage vient de chercher la quatrième place et une qualif en demi-finale. Wow, un pilote est resté scotché dans la grille de départ. 416 qui vient de sortir avec Chenen Ewan, le rider de Kever, ou Verneuil avec Bien Marty qui va prendre l'avantage dans ce premier virage pour aborder cette première ligne droite. On retiendra donc à la deux première position Tanguy Victorian. Et c'est le pilote d'Evreux qui vient de prendre la première position complètement à droite. Il y avait Chenen pour Kever qui essaie de remonter à la première position. Voir en voir et Palcuser Malo essaie de se frayer un chemin sur les arrières pour remonter sur les places qualifiées. Toujours Chenen devant, la deuxième place avec Covin Claude, le Rainer du CSST Bicross prendra lui la deuxième position et